C'est parti. Yes. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Le journal de presque 17h17. Je m'en fous, François, c'est affreux, mais je m'en fous. J'ai un home cinéma, plus de 300 DVD, bientôt 800 grâce à Internet. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on reviendra évidemment sur le retour du confinement. On n'avait pas vu un retour aussi déprimant depuis celui de Manuel Valls. On parlera aussi des propos de Maïwenn. Ah bon, on n'avait pas entendu des propos aussi bêtes depuis ceux de Manuel Valls. Et enfin, on parlera de Rocco Siffredi. On n'avait pas vu... Non, j'ai pas le lien là. Il ne peut pas y avoir un lien tout le temps. Et on commence par le sanitaire. Oui, hein, Emmanuel Macron a donc annoncé hier un nouveau confinement très strict pour tous les Français. Oui, enfin, sauf pour les enfants, parce que les écoles restent ouvertes. Hein. Ah oui, mais sinon, c'est un reconfinement strict. Sauf pour les profs, puisque les écoles restent ouvertes, donc il faut des profs. Hein. Pour le reste, c'est un confinement strict de chez strict. Pour les restaurateurs qui font la vente à emporter, parce que là, ils pourront travailler, restaurateurs. Ouais. Mais sinon, c'est un confinement totalement strict. Sauf pour les employés de supermarché, les chauffeurs de bus, ceux qui bossent sur les chantiers aussi. Ouais, en gros, tous ceux qui doivent travailler. Quoi. C'est ça. Mais à part ça, ça sera strict. D'ailleurs, Richard Ferrand était l'invité de la matinale de France Inter et il a livré son analyse sur la circulation du virus. Il ne suffit pas d'avoir peur. Il faut aussi faire attention. Parce que si vous, Madame Bécart, vous, Monsieur Badou, moi-même, nous sommes malades demain, c'est parce qu'à un moment donné, nous n'aurons pas fait aussi attention que nécessaire. Non, c'est fort de café, à entendre. Non, c'est pas fort de café, c'est l'exacte vérité. Ouais, et c'est vrai que c'est vraiment stupide de dire que c'est de la faute des gens. Non, c'est qu'ils disent, on n'a pas l'habitude d'entendre dire, c'est fort de café. Là, on a passé un cap dans l'épidémie. C'est vrai. On passe à François Hollande qui dénonçait un déconfinement trop rapide et qui admet, dans le même temps, avoir cédé aux réunions de famille. Il a dîné avec tous les gens qui le prennent encore au sérieux. C'est bon alors. Ils étaient trois, donc c'est bon. Et donc, dans tout ça, c'est officiel, les salles de cinéma ferment ce soir et ce, un seul jour, un jour après la sortie d'ADN, le nouveau film de Maïwenn. Et pour une fois, Macron a réussi à faire quelque chose que les Français attendaient, qu'on n'entende plus Maïwenn. Santé, à présent, Rocco Siffredi a été diagnostiqué positif. Et il y a la ch'touille, mycose, syphilis, non, j'imagine. Non, Covid-19. On l'avait pas vu venir, celle-là, dis donc. Et d'ailleurs, il aurait été contaminé lors d'un tournage. Je me demande bien d'où peuvent venir les gouttelettes qui l'ont contaminé. Bon, en France, en France, un chirurgien a été arrêté pour avoir injecté du ciment dans la colonne vertébrale de ses patients. Ouais, la fameuse méthode du docteur Xavier Dupont de Ligonnès, hein, bien évidemment. Allez, assez efficace. En sport, le footballeur uruguayen Luis Suarez a acheté 1000 Big Mac pour venir en aide à des enfants hospitalisés et des femmes enceintes en Uruguay. C'est beau, hein, c'est beau. Émeric Lomprey a fait exactement la même chose lundi dernier. Ah bon, pour quelle association? Non, il n'y a pas d'association. il dînait avec Pierre-Emmanuel Barré. On l'embrasse. International toujours, l'Égypte interdit les promenades touristiques à dos de dromadaires pour mettre fin à leur exploitation. Ouais, c'est un scandale, c'est vrai, de les faire bosser. De bosser, parce que dromadaire. C'est quoi, une honte. Oh, ça va, on ne peut plus rien dire vous. Non, vous êtes dromadérophobe, on enchaîne. Allez, enchaînez. Toulouse, il appelle ses ex-employeurs plus de 200 fois par jour. Et l'occasion pour nous de saluer Patrick Cohen et le standard de France Inter. Arrêtez, patoche, maintenant. Le Val d'Oise a subventionné 8000 pommiers et poiriers. Oui, alors l'Élysée a fait la même chose avec deux ficus. Ah bon ? Sibeth Ndiaye et Gabriel Attal. Bam, ça dénonce. Et enfin, une huître de 2,2 kilos a été découverte en Bretagne. Je dois faire une blague là-dessus, non ? Non, pas forcément. Ouais. Enfin, comme on a 3 minutes de journal et qu'on parle à passer à parler confinement ou attentat, ça va vous sinon ? Ça va, ça s'est rafraîchi, j'ai l'impression. Frais pour la saison. Quelle période, hein, quand même. Vous avez vu le contexte ? C'est très angoissant. On ne peut plus rien dire. Coluche, il sera en prison. On va pouvoir reprendre une activité normale avec notre invité, Luz and the Yakuza.